Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons voir ce qui va se passer pour le mois de mars, donc en fonction de vos décans. Et là, le tirage au sort a été pour le signe du lion, lion ascendant lion, ou bien lune en lion, ou bien effectivement une planète en lion. Je suis désolée pour la verbation, c'est un petit peu compliqué, mais c'est bien le signe du lion. Hein. Je ne sais pas où vous mettre. Oui, ça y est, vous avez peut-être lu là. C'est compliqué. Voilà, lion. Lion, 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 lion. Voilà, donc le signe du lion, vous le savez. Lion, ascendant lion, lune en lion, planète en lion. Ici, vous avez un tirage général qui va donc correspondre au lion, ascendant lion, lune en lion ou planète en lion. Et ici, vous choisirez votre décan comme d'habitude. J'ai choisi 12 cartes pour faire les 4 semaines qu'il y a sur le mois de mars, en sachant que effectivement nous sommes aujourd'hui le 6 mars et que c'est milieu de semaine. Mais bon, ça va vous permettre quand même de savoir un petit peu ce qu'il en est. Allez, on y va tout de suite, on fait la guidance générale. C'est parti. Alors, alors, on va commencer par le 77 alias K. Hop. Tac. Alors. Tac. 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 Et tac. Eh bien, ça, c'est fait. Alors, donc, mois de mars pour vous à million. On va le mettre comme ça, ça sera peut-être plus... Alors, ceci est un tirage général, toujours pareil, il peut ne pas vous parler à tout le monde, et donc est classé par semaine. En sachant qu'effectivement, c'est valable pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Je ne sais pas où vous... Oui, super, ça marche là. Voilà, allez, on y va tout de suite, c'est parti. Donc là, la première carte, on me dit carte 35. Donc la carte 105, c'est d'être à l'écoute. D'être à l'écoute et de ne... et de suivre et d'écouter les conseils. Attention, n'écoutez pas les conseils d'une personne malhonnête, d'une personne rusée. Faites bien attention à qui vous allez parler, à qui vous allez dire certaines choses, car je pense qu'il y en a certains, il y a de la perversité, il y a du calcul, on essaie de vous piéger. D'ailleurs, vous allez vite peut-être vous en rendre compte, puisque vous allez interrompre, alors de manière courte, d'une coupure courte ou une coupure définitive avec certaines personnes du fait de leur malhonnêteté, de leur côté d'être rusé avec vous dans cette première semaine. Dans la seconde semaine, on me dit non par rapport à quelque chose que vous décidez de faire, projet, décision, on nous dit non. Donc, faites attention à cette deuxième semaine, aux décisions que vous allez prendre, c'est peut-être pas le bon moment. Attention à certaines personnes qui vont vous tourner le dos. Alors, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des gens qui vous abandonnent, ça peut être de la fourberie, des mensonges ou carrément se tromper. Donc, vous voyez, c'est doublement ça pour certains. Attention, c'est non, n'y allez pas. Fin de semaine, deuxième semaine, donc la semaine prochaine, je dirais que là, par contre, vous serez en lumière. C'est-à-dire que là, tout vous réussit. Donc, en fait, c'est comme si vous auriez déjoué les plans de quelqu'un et que vous alliez enfin tout dévoiler, tout éclaircir. Alors, peut-être que vous allez mettre en lumière quelqu'un de fourbe aussi, c'est possible, dans la deuxième semaine. Dans la troisième semaine, avec la carte 10, on est sur une stagnation, quelque chose qui est plat. Alors, peut-être l'activité pour certains, peut-être dans votre couple pour d'autres. En tous les cas, c'est pas, c'est une certaine morosité. En plus, on arrive sur le printemps, donc on va dire qu'on n'est pas au taquet, on n'est pas au top. Pour certains, eh bien, attention, certaines invitations, restaurants, sorties, cérémonies, hein, ça peut être sympathique. Et puis, pour d'autres, je dirais plus de la tristesse, voire de la dépression, voire peut-être un moral en dents de scie. Alors, vous voyez, c'est comme si en fait, vous étiez dans une période un peu neutre, pas bien, et que vous alliez tenter effectivement de sortir de cette position un peu le cul entre deux chaises, si je puis me permettre, pour justement vous ressaisir et vous refaire du bien. Fin de semaine, eh bien là, on a les relations entre un homme et une femme. On peut parler de coucherie,
excusez-moi du mot, donc peut-être un adultère, peut-être plutôt rencontrer quelqu'un pour coucher avec elle, ça c'est possible aussi, mais ça peut être aussi le fait qu'on vous dit en tant que consultant ou consultante qu'il est temps aussi de prendre du repos parce qu'effectivement, peut-être que vous serez alité suite peut-être à de la fatigue ou que vous avez simplement besoin de repos. Ou peut-être encore mieux que vous allez aller à un petit week-end très coquin sur la dernière semaine du mois de mars, ça aussi. Mais bon, en règle générale, une carte comme ça, on parle plutôt de coucherie. Voilà, donc peut-être pour certains, un adultère. Donc, soyez prudents, enfin, faites pas n'importe quoi. Voilà, donc voilà, sachez que la dernière semaine du mois de mars, elle va être chaud cacao, comme on dit. Voilà, ceci est un tirage général. Il peut ne vous parler ou pas. Hein, donc, je vous le rappelle, hein, seule une consultation en privé peut vous parler, mais ça reste un tirage général. Donc là, cette fois-ci, on va essayer de voir un petit peu plus près en travaillant sur les décans. Donc, j'ai fait le même principe, hein, sauf que effectivement, j'ai utilisé d'autres jeux, hein, tous différents. Et on va commencer par le premier décan. Alors, premier décan à millions, voici ce que vous réserve ce mois de mars. Alors, voyons. Comme j'essaie de vous le faire pour vous, c'est pas toujours évident. Hop, tac. Ah, tac, tac, tac. Bon, c'est quand même plutôt pas mal hein, pour le premier décan. Beaucoup des choses qui se rejoignent par rapport au tirage général à ce que je vois déjà. Donc, hop. Allez. On y va. Bon, bah, écoutez, première semaine, j'aurais tendance à dire qu'on est plus dans quelque chose où on est en confusion, on est dans l'incertitude, dans le changement. On ne sait pas trop où on va, peut-être une perte d'orientation, peut-être des doutes. Ce côté de ne pas savoir trop où on va, qui en plus va amener de la dispute, des conflits, alors peut-être avec votre partenaire, hein, c'est possible tout à fait, ou peut-être avec simplement la société, hein, puisque je peux ressentir les contacts personnels, donc ça peut être effectivement des gens, des rencontres, des nouvelles rencontres, ou des personnes que vous venez de rencontrer ou que vous êtes en train de rencontrer. Moi, on parle plus de la société, donc ça peut être effectivement dans votre travail, dans votre environnement personnel, ou bien malheureusement dans votre couple. Donc, première semaine agitée. La deuxième semaine, pour vous, premier décan du signe du lion, avec la carte 31, là, on est sur quand même les bonnes nouvelles parce qu'on a un vrai coup de chance et il y a bien quelque chose, il y a de la croissance, il y a du succès et quelque chose qui fait partie de votre destinée. Donc, ça veut dire qu'il y a une ouverture, une révélation, quelque chose qui est bon. Attention toutefois à des personnes malhonnêtes, à des personnes qui pourraient tenter de manipuler ou qui pourrait tenter d'être plein d'ambiguïté. C'est votre semaine, donc squeezez ces gens. C'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est votre semaine, il y a le succès, c'est votre destinée. Donc, eux, on les squeeze. Donc, soyez, on va dire, attentifs et faites attention à votre entourage. Toujours pareil. Alors, toujours pareil, je vous rappelle qu'à partir du moment où vous réussissez, les gens, vous aurez toujours de la jalousie. Donc, si y a des gains en plus, si vous avez le droit, je sais pas moi, une promotion ou quoi que ce soit, eh bien, attention, car il y a de la jalousie dans l'air. Avec la carte 9, on me montre bien que vous allez avoir un cadeau, une gratification, tiens, des appréciations. Et là, encore, bis-bis, de la jalousie, de la trahison, des pièges, des mensonges, de la fausseté. Donc, attention, danger, parce que je pense qu'effectivement, avec la carte 21, on me dit bien qu'on va tenter de vous mettre des bâtons dans les roues et de vous mettre des obstacles. Donc, parce que vous allez vous épanouir, réussir, eh bien là, on va essayer de vous bloquer. Donc, faites attention, vous êtes prévenu. Donc, toujours pareil, milieu de semaine, ça va être... Mais bon, vous en sortez gagnant, donc je ne m'inquiète pas. Avec la carte 5, on m'annonce pour vous la santé, la longévité. C'est comme si vous arriviez à bien vous ancrer pour quelque chose de nouveau, un projet. Alors, ça peut annoncer une naissance pour vous, mesdames, hein, c'est tout à fait possible. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un, un homme ou une femme. Et ça peut être aussi le fait que vous allez vers un projet, quelque chose que vous allez peut-être faire par rapport à une personne. C'est peut-être vous aussi en tant que consultant. En tous les cas, on vous dit d'y aller.
C'est quelque chose de positif. La dernière carte, c'est plutôt positif. Donc, j'ai envie de vous dire, peut-être le retour de quelqu'un, un ex ou quelqu'un dans votre vie, alors que vous êtes cette fois-ci prête pour le dire oui ou non, c'est vous qui voyez. Peut-être aussi quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, nouvelle rencontre, hein, c'est possible aussi. Hein, maintenant que vous êtes prêt, c'est possible. Enfin, voilà, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc, je dirais que pour vous, prenez des camps. Bon, quelques orages, on va dire, mais dans l'ensemble, plutôt du bon. Alors, pour le second décan. Alors, pour le second décan du signe du lion, nous avons l'oracle de Béline. Alors, l'oracle de Béline nous annonce quoi? Alors, eh bien, plutôt pas mal. Ah ouais, bien, bien, la première semaine, nickel. D'accord, décidément. Décidément, décidément. Tac. Alors, je rappelle toutefois que ceci est un tirage général, il peut ne vous parler ou pas. Allez, on y va. Bah écoutez, pour vous, second décan, première semaine, c'est une belle semaine. Le bonheur, la grâce, ça veut dire que là-haut, on vous protège. Réussite en couple, passion, possibilité de rencontrer quelqu'un cette première semaine, possibilité d'avoir vraiment un vrai bonheur en couple ou un début de couple. Donc, quelque chose pour vous, en tous les cas, une première semaine magique. Pour la seconde semaine, peut-être que pour les personnes qui sont déjà en couple, il est tout à fait possible que nous soyons sur une trahison, peut-être sur... une coucherie ou peut-être carrément sur de la méchanceté. Donc là, on est sur peut-être quelque chose qui est beaucoup moins drôle. Pour certains d'entre vous qui sont en couple, ça va peut-être pas être le top. Voilà. Je ressens plutôt un petit peu des choses pas très sympathiques pour la deuxième semaine. Pour la troisième semaine, bien écoutez, beaucoup d'inconstance, ça veut dire peut-être un moral en dents de scie, vous sentir un petit peu isolé, bien que la semaine soit plutôt pas mal. Donc vous voyez, c'est on va dire en demi-teinte. Voilà, peut-être que vous serez un petit peu isolé, vous ne serez pas trop, vous ne sentirez peut-être pas au top, hein, second décan. Première semaine, oui, mais les trois dernières semaines, ça va être un petit peu compliqué. En plus, vous allez passer le printemps, ça va un petit peu vous remuer. On parle pourtant de renommée, donc ça veut dire que la dernière semaine, vous allez connaître le succès. Malgré cela, vous vous enfermez et vous conservez le fait que vous avez envie de rester seul, de ne voir personne. Donc, on va dire un mois de mars un petit peu mitigé d'un point de vue général. Je dirais plus au niveau de la société, c'est-à-dire de vos relations et de votre travail. Bon, à part la première semaine et la deuxième pour le cœur, mais je dirais que c'est plutôt une question de sociabilisation, comme vous en auriez un petit peu ras-le-bol, que vous auriez envie de vous couper du monde, que vous auriez envie de prendre le large. Voilà, ça serait peut-être ça que je ressentirais pour vous à million second décan. Voilà. Alors, pour le troisième décan du signe du lion, qu'est-ce qu'on m'annonce de beau pour vous? Alors, troisième décan. Alors, eh bien, c'est plutôt pas trop mauvais tout ça. Troisième décan, vous avez plutôt pas mal de chance. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, bah écoutez, pour vous, c'est plutôt le meilleur tirage que j'ai. Première semaine, alors, première semaine, beaucoup de choses qui viennent rapidement. Alors, l'homme, c'est plutôt vous, le consultant, donc un homme, si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes un homme, une femme, excusez-moi. Beaucoup de négociations, très rapides, beaucoup de choses qui se sont faites très rapidement, aussi bien dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. On est dans la rapidité, on échange, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges. Je sens beaucoup de dialogue, énormément de dialogue dans tout ce que vous faites. Première semaine, très chargée, vraiment très, très chargée. Je vous sens... dans la rapidité, donc pam, ping, poum, poum, ça va dans tous les sens. C'est vraiment, limite, j'ai envie de vous dire, si vous pouviez prendre un hélicoptère pour faire les trajets, ce serait encore plus rapide, tellement que vous avez de choses à faire. Donc, semaine, surmenage et à fond la caisse. Deuxième semaine, on nous dit attention à certaines personnes. Là, je dirais attention à certaines femmes, on va dire un peu trop belles, qui pourraient, entre guillemets, pas vous monter la tête, mais qui pourraient en fait vous trahir. Donc, faites attention à certaines personnes qui pourraient vous trahir. De toute façon,
on va dire que peut-être que le sentimental, c'est moyen ou que vous savez avec qui vous êtes, on va dire, c'est comme ça que je le ressentirais. Vous, en tous les cas, professionnellement parlant, vous êtes au taquet et limite pour certains d'entre vous, ce sera le principal. Le sentimental étant pas nécessairement, d'ailleurs dans le jeu, on le voit bien, votre priorité. Je dirais que c'est plutôt le côté professionnel qui prime, du moins pour vous. On sent on va dire de la patience. A priori, vous allez avoir la chance de faire un voyage, alors voyage personnel ou professionnel, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors patience parce que ce voyage, il est pour vous, ce déplacement, il est pour vous. Alors peut-être que si vous attendiez la réponse de quelque chose, eh bien ça va venir. Déplacement, ça peut être un voyage à l'étranger comme ça peut être un voyage en France. Ça peut être pour une formation, ça peut être pour un déplacement que vous souhaitiez. En tous les cas, c'est plutôt encore très positif. Et enfin, on vous voit évoluer dans votre domaine professionnel. Alors, on parle d'administration, donc peut-être que vous travaillez dans l'administration et que c'est votre grande famille. Vous voyez, quand je ressentais le trait pro pour le troisième décan, on dirait que vous êtes viré sur le coup. Il n'y a que le pro qui compte. Voilà. Eh bien, on sent que vous allez avoir de plus en plus, on va dire, de travail, de plus en plus de choses à faire. Donc, je dirais que limite, votre famille va peut-être un petit peu en pâtir, mais beaucoup, beaucoup de travail qui va vous amener beaucoup de pouvoir, de succès. Donc, vous voyez, là, l'ensemble, c'est vraiment exceptionnellement bon. Voilà, pour vous, amis lions du troisième décan, dans le domaine professionnel, je sens beaucoup de réussite, je m'en sens chose. La seule chose qu'on me dit, attention à une certaine femme, voilà, je dirais femme ou homme, tout dépend si vous êtes un homme ou une femme, ou si ce que vous aimez, quelqu'un qui pourrait effectivement vous trahir ou être dans le faux semblant. Je dirais que ça ne vous dérange pas plus parce que vous n'êtes pas dedans. Allez, on va dire ça comme ça, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, donc écoutez, que vous dire d'autre que... un mois extraordinaire pour vous, à million du troisième décan, dans le point de vue professionnel. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée pour ceux qui la verront ce soir et une excellente journée pour ceux qui la verront demain. À très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.